est à la porte du printemps. Donc j'ai décidé d'aller essayer de traquer un peu la carpe là, avec les beaux jours. En plus aujourd'hui il fait super beau. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver du poisson un peu en tailing. C'est ce qui me vraiment ce qui me tient à cœur, hein, de chercher des poissons à vue. Moi je vais vous expliquer un peu le matériel que j'utilise pour la carpe. Hein. Ça peut intéresser quelques-uns. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui voudrait bien s'y lancer. Donc moi j'utilise une canne en soie d'huître, généralement utilisée pour la pêche en mer. Hein. C'est comme des cannes avec une réserve de puissance assez conséquente, parce que comme les poissons qu'on la gouache, hein, la carpe c'est un poiscaille. Une fois que vous êtes attelé, ben, on ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Donc il faut quand même des cannes puissantes et puis que vous puissiez lancer rapidement. Qu'on puisse lancer rapidement sur l'objectif en fait, hein, pour éviter de trop de faux lancer. Comme c'est un poisson qui est toujours sur le qui-vive. Voilà, il faut éviter le maximum de faux lancer. Donc voilà, ce que j'utilise, c'est une canne en soie d'huître, relativement puissante, 9 pieds soie d'huître. En termes de bas de ligne, j'utilise du fluorocarbone. Donc en règle générale, c'est du fluorocarbone sans nœud, effectivement, 2,70 m, qui se termine un bon 30 centièmes. Je rajoute 50 cm de 27 centièmes. Toujours un fluorocarbone. Alors après ça dépend, t'as des gars qui aiment bien pêcher avec des bas de ligne plus courts. Moi j'aime bien les longs bas de ligne, c'est toujours été comme ça. Pour la discrétion. Hein. Hop, c'est pas là. Je vais continuer sur le spot là. Le raccordement bas de ligne, soit, alors je m'emmerde pas, hein, boucle dans boucle. J'évite de faire des percer la soie et des compagnies parce que ça. Sur des mémères, ça tient pas. Hein. L'idéal, c'est de faire avec des soies flottantes qui boostent. Alors des soies, même une soie qui est faite pour la pêche du black bass, ça va très bien. En règle générale, les soies qu'on achète aujourd'hui ont déjà des boucles. Donc on n'a pas à s'emmerder à inventer. Inventer quoi que ce soit. Je ne sais pas là. Moulinet, il faut quand même des moulinets. Il faut quand même des moulinets qui tiennent la route, quoi. Parce que comme c'est des poissons, dès qu'elles se sentent piquées, elles partent à fond de cale. Il faut quand même pouvoir les éviter de casser, justement. Parce que même en 30 centièmes, au démarrage, elles vous cassent, genre bonne fiche, quoi. Ça part, ça casse. Donc il faudrait quand même des moulinets. Progressif avec un frein qui ne lâche pas, parce que bien souvent les freins donnent des à-coups et c'est là où c'est que tu perds ton poisson, surtout que là tu n'as pas le droit à l'erreur avec des poissons comme ça. Donc voilà, en gros et on essaye d'éviter de mettre des vêtements trop flashy, hein. Il y a des poissons quand même qui te voient d'assez loin malgré tout. Et puis voilà, bon, c'est quand même assez simple en termes de montage. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le spot. Allez, à plus, les copains.
vachement mal là-bas.